calme. Qu'est-ce qui nous reste donc au du Random Driver San Francisco, Tomb Raider et Volante. Et Volante, c'est le RPG français qui rend un peu hommage à toute l'histoire du RPG. Vous avez sans doute vu popper des tests de ce machin un peu partout sur l'internet multimédia cette semaine. Eh bien, il est sur la roue du Random. Je l'ai récupéré cette semaine et on va peut-être l'essayer ensemble. Qui sait? Legend of Grimrock est toujours là. Arma 3 est toujours là. Prêcheur, donc le fameux jeu qu'on vous offre d'ici 3 quarts d'heure, 1 heure, il est toujours là. Warframe, eh bien, il est toujours là. Et Biohazard et Symphony, ils sont toujours là. Allez, on est parti! Musique maestro, spin that shit, nous y voilà. Eh bien, là, je vous avouerai que je n'ai pas de préférence, vu que ce sera probablement le dernier ou l'avant-dernier jeu de ce stream. Je suis ouvert à toute proposition. J'aimerais pas spécialement qu'on termine sur un gros jeu genre Warframe, parce que je ne suis plus foncièrement en état de me taper un gros truc d'action à l'heure où on parle. Mais tout le reste, eh bien, on est offert, on est open bar. Voyons donc à quelle sauce nous allons être mangés. Arma 3, ça a l'air d'être passé. Grimrock aussi. Et Voland, aussi vite arrivé, aussi vite parti. Est-ce vraiment ce qui va se passer? Merci, Oraison, ça fait plaisir, ça. Ça fait vraiment plaisir. Eh bien, et Voland, la hype du moment, comme je vous l'ai dit, hein, on en parlait tout à l'heure. C'est comme ça que ça marche, la roue du random. Hein. Il y a des jeux qui sont là, des jeux comme Prêcheur ou comme Arma 3 ou comme Grimrock ou Driver San Francisco, qui sont restés là toute la semaine dernière et qui sont là depuis qu'on a fait tourner la roue la première fois mardi dernier à 21h pile. Et eh bien, il y a des jeux comme ça qui arrivent et qui repartent direct. Et bien, Evoland, on vient de le rajouter. Et la roue est là directement choisie. Et bien, Evoland, on est parti, mes agneaux. Donc le temps. Alors attention, par contre, je vous préviens. J'ai beau y mettre les meilleures volontés, il y a certains jeux qui ne veulent pas trop bien jouer avec OBS. OBS, c'est le logiciel que j'utilise pour transmettre mes images et bien ce que je fais sur l'internet multimédia. Et Voland en fait partie. Donc j'ai eu quelques soucis quand je faisais mes réglages, parce que je fais des réglages pour tous les jeux que vous voyez sur cette émission. Je passe en général un temps de préparation qui se situe entre 5 et 7 heures pour faire un stream de 3 heures le mardi soir. Et là, vous allez me dire, Alten, tu es complètement con, et je vais vous répondre oui. Mais c'est comme ça, moi je veux essayer de vous livrer un produit un peu de qualité. C'est vraiment mon credo, moi, c'est que tout soit le plus fluide possible et qu'on puisse se marrer et passer le plus rapidement d'un jeu à l'autre. Et Voland, il m'a super fait chier pour vous préparer ce stream ce soir. On va appeler un chat un chat. Donc, eh bien, je ne vous cacherai pas que ça a été une putain de plaie pour le préparer. Donc, j'espère simplement qu'il ne va pas nous planter la gueule. Donc, si le stream a un petit bug dans les secondes qui viennent, mes excuses par avance. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, voilà. Il écorche tous les pseudos, c'est une honte, messieurs, dames. Oui, ça, alors ça, c'est une vieille tendance. Mais c'est aussi quelque chose que je fais pour pousser les gens à revenir. Parce que plus vous reviendrez souvent, eh bien, moins j'écorcherai votre pseudo. Voilà, c'est le principe. Donc, Horazion, voilà, je dis toujours Oraison au lieu d'Horazion. Ah. Perso, je veux bien voir ce que ces jeux nous disent, Horazion. Eh bien, écoute, je lance Evoland. On va tenter le altap de l'impossible et on va y croire. Alors, je vous le dis tout de suite, par contre, aussi, c'est un de ces jeux que j'ai récupéré dans la semaine et je me suis dit, eh bien, je ne vais pas me spoiler. Je le garde pour le faire avec vous. Ah, ben voilà, ça passe. Nickel. Eh bien, écoutez. Coup de bol, on est bon, mes amis. Eh bien, voyons tout de suite ce que vaut ce Evoland. Donc, je n'ai pas appuyé sur le bouton Start une seule fois. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai juste lu deux tests qui étaient assez contradictoires. Alors, attention, moment éternuement, à court instant. Un qui était sur Gameside Story de mon rédacteur en chef bien-aimé Sky Willy, qui disait que ce jeu était basiquement la 9e merveille du monde, et un de ma très bonne amie qui regardera probablement ce stream en VOD, qui est la copine Zigzig, à qui je fais un gros bisou si elle regarde ce stream, et qui avait un avis extrêmement plus mitigé. Son test se trouve sur Millennium, et eh bien, à nous de nous faire notre opinion, on va tester ce jeu ensemble, on va voir ce que ça vaut. À mon avis, on va passer une bonne demi-heure, 3 quarts d'heure ensemble, et au bout de ça, eh bien, minuit et quart sonnera, et ce sera l'heure pour l'un d'entre vous de gagner un exemplaire de Prêcheur, le jeu que je vous conseillais ardemment lors du dernier podcast, et à tout bout de champ, à chaque fois que j'en ai l'occasion. Et
on pourra sans doute se taper une partie coop ensemble si vous voulez, si mardi prochain vous êtes disponible. Bah, je propose qu'on fera passer Prêcheur de toute manière et on fera une partie coop avec celui ou celle d'entre vous qui gagnera l'exemplaire, ça me fera plaisir. En attendant, revenons à nos moutons et Voland, nouvelle partie, on est parti! Débloquer touche droite, on dirait qu'il y a un coffre par là. En même temps, il y a un coffre à gauche et à droite. Ok. Développer touche gauche. Bon, bah jusqu'ici, on va y arriver. Avec un succès débloqué quand même, hein, juste pour le fait d'avoir appuyé deux fois à droite. Hein, c'est plutôt classe. Ok. Mouvement 2D. Bon. Alors, je sais que le jeu veut que j'aille en haut, là. Il veut que je récupère le coffre, mais en même temps, j'ai envie de le faire yesh. Alors, récupérons le coffre. Scrolling. Oh, le scrolling à la Zelda a été débloqué. J'aime beaucoup le graphisme un peu Game Boy-esque jusqu'ici. Très charmant. Très nostalgique. Pas de musique par contre, mais je suppose que ça va être débloqué à un moment aussi. Effet sonore, voilà, il suffisait de le dire. Ok, alors. Scrolling homogène. Ah mais non, moi je préfère le scrolling... Je suis beaucoup plus fan du scrolling Animal Crossing, moi. Ou Zelda, oui. Je dis Animal Crossing, il y a des gens qui vont hurler. Mais le jeu que je me suis le plus tapé avec ce scrolling-là, c'était Animal Crossing. Et salut à Umbrella qui vient de nous rejoindre, le bon ami Umbrella, un fidèle... Genre de personne dont on apprécie la compagnie, je dis pas que j'apprécie pas la vôtre, mais j'apprécie aussi celle d'Umbrella. Une épée! On va trancher de la merde. Oui. Il me semblait qu'il y a un coffre là-bas qu'on n'avait pas récupéré, on va d'abord aller là-bas du coup. Il était caché derrière des broussailles. Alors. Ah oui, c'est des petits arbustes en fait. Ça ne se découpe pas aussi facilement. Il va lui falloir une hache, ou peut-être passer de l'autre côté. Donc d'abord ce coffre-là. Des monstres. Ah! Il y a un coffre dont je me serais bien passé. Ah bah non, ça va, ils sont mignons. La musique! Je dois avouer que le système est assez marrant de débloquer des choses au fur et à mesure, comme ça. Alors. Oui. Un hôtel. Point de sauvegarde. Ok. Partie sauvegardée, tout votre stress disparaît. Ah, c'est assez vrai, ça. Alors. Je dois avouer qu'une des critiques que j'avais beaucoup lues sur ce jeu-là, aussi bien par les détracteurs que les amateurs, disait que c'est bien beau d'avoir un jeu référentiel, mais il faudrait qu'il y ait un vrai jeu derrière. Nouvelle carte pour jouer au Double Twin. D'accord. Et que les mecs avaient foutu des références partout, mais ils avaient un peu oublié de mettre un jeu derrière. Et jusqu'ici, je vois que je peux comprendre cette critique, en fait. Oui, l'affichage sel couleur a été débloqué. Bah, bon, là, du coup, on est dans quelque chose d'extrêmement Zelda-esque, hein, naturellement. On va voir si on peut aller trouver le coffre qui était planqué là-derrière. On va tourner au menu principal. Non, pour l'instant, on va continuer. Voyons. Pas si vite, grand fou. Alors. Voyons. Remarquez que jusqu'ici, dans le genre linéaire, ça se pose là. Game over, non, sans déconner. Ah oui, c'est One Hit, One Kill. C'est un peu bourrin, quand même. Pour un RPG, c'est... Oui, d'accord. Remarquez que l'écran de Game Over, hein, vous l'avez eu. Je rappelle que l'écran de Game Over de l'intégralité des jeux qui passent sur le stream, c'est une condition sine qua non à laquelle je me plie autant que personne peut. Et donc, l'écran de Game Over, eh bien, vous l'avez eu. Vous l'avez eu... Alors, j'ai réfléchi, vous l'avez eu sur la SOTN, oui. Vous l'avez eu sur la Super Adventure Box, oui. Vous l'avez eu sur Happy Wheels, oui. Vous l'avez eu sur Broforce, oui. Et vous l'avez eu sur Evoland, et bien, encore une fois, ce soir, le full combo des écrans de Game Over. Ça, c'est quelque chose qui vous est proposé uniquement par le Twitch TV / Altan. Alors, c'est quoi? C'est les crédits? Ah non, c'est le scénario, Jésus-Christ. Ah, Zippo, c'est vrai, ça, 3D Dot Game Hero. Est-ce qu'il était sorti sur PC, celui-là, mon Zippo? Est-ce que tu peux me le dire? Alors, en tout cas, je suis chevalier de l'Ordre Dragon, parcourir le monde, aider le peuple, combattre le mal, siècle de paix, évidemment triste à votre coup, mais on dirait que les affaires reprennent, ça, c'est pas faux. Ah, le bon Ashton, effectivement. Et oui, la storyline a été débloquée, une originalité stupéfiante, comme le dit le scénario, c'est vrai, c'est pas faux, ça. PS3 Only, ah, putain. Je l'aurais vraiment bien streamé celui-là parce que j'en ai entendu tellement de bien. 256 couleurs! Oh mon dieu! Je sens qu'il manque l'Oculus Rift! L'Oculus Rift arrive!
panneaux, vous savez dire des trucs. Endroit réservé aux aventuriers agiles. C'est qui, Gilles? Donc, pardon, je suis vraiment désolé pour cette vanne, je vous assure que ça ne se reproduira plus. Alors, allez, on va casser de l'herbe, on va casser du coffre, on est parti. Il n'est pas disponible sur le PS Store, mon bon Zippo? Ça, ce serait vraiment con, ça, parce que bordel. Bloqué par une pierre dimensionnelle, essayez le chemin vers l'est. Alors, s'il y a une direction que je connais, c'est bien ma direction nationale. C'est bien l'est, hein. Donc, là, nous avons de la caillasse. De la caillasse, donc on va descendre encore un peu. Rien ne vaut une boîte. Ah non, mais je suis d'accord. Enfin, encore que non, moi, je suis vraiment très partisan du dématérialisé, en fait. Ça, c'est un jeu qui m'a... Enfin, quand j'avais vu les trucs, j'étais en train de baver devant. Je crois que c'était tombé à la mauvaise période où j'avais vraiment pas pu me le choper, mais 3D Dot Game Hero était un jeu qui m'avait surintéressé, trouver toutes les étoiles des volants de jeu. Eh bien, mais dis-moi pourquoi ? En tout cas, c'est vrai que tu m'as rappelé l'existence de ce machin-là, et je sens que tu vas me faire des frais, mon bon Zippo, hein. T'as intérêt à me rembourser ça, et tu peux le faire en nature, je ne suis pas regardant. Alors, des caillasses, et surtout, une petite pause éternuement, excusez-moi. Ah, Hardy Weinberg, encore une fois, mon ami, je suis bien d'accord avec toi. Une bonne Steam Cell pour choper des trucs, des maladies sexuellement transmissibles, tout ça. Il n'y a que ça de vrai. Bon alors. Instant sacoche numéro 227. Je crois que je suis perdu. Se perdre dans 3D Dot Game Hero, ça n'est pas donné à tout le monde. Mais il y a des professionnels du jeu vidéo comme moi, eh bien, qui y arrivent. Et j'en suis extrêmement fier, hein, je tiens à vous le dire. Se perdre en 3D Dot Game Hero. Maintenant je dis Evoland, Evoland, le jeu auquel on joue, c'est Evoland. Alors, déjà un petit besoin d'aide. Bien mon bon Ashton, comme mon but c'est quand même de montrer le plus du jeu le plus rapidement possible. Je ne suis pas contre si tu pouvais me donner un petit coup de mimine et me dire si j'ai raté quelque chose qui aurait dû être évident. Ah, mon cuit de l'outre du Tonkin. Alors attends, je vais essayer de regarder si on peut pas passer au-dessus de la flotte, tout bêtement. Non, d'accord. Et on salue toutes les loutres du Tonkin. Je vois que vous êtes extrêmement nombreux. Passe entre les cailloux à côté du panneau. Alors, je crois que le panneau était là-haut. Pas de conneries. Oui, les cailloux sont là. Et on peut passer entre les cailloux. Merci, Ashton, parce que j'aurais cherché longtemps. Poc, 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 le chevalier méduse. Allez hop, poc, poc, poc dans ta gueule, hein. Voilà, comme ça, ce sera vite réglé. Game over, poc, poc, poc dans ma gueule, comme ça, ce sera vite réglé aussi. Vous voyez, c'est une possibilité. Le réglage marche dans les deux sens, hein, quand il s'agit de ma tête de cul. C'est vite réglé. Alors, faut uniquement les frapper par l'arrière, c'est ça le principe. Bande de mollusques. Alors... Hop. Pute borgne! C'est quand même pas possible d'être aussi mauvais. On va regarder s'il y avait plein de trucs dans le coffre, en fait, si ça se trouve. Pour faciliter le job. Inventaire. Appuyez sur Tab pour l'ouvrir. Oui. On va aussi appuyer sur la touche Y du pad. Alors, pour l'instant, on a épée, donc c'est tout. Apparemment, on aura aussi des bombes et un arc. On a une carte sur 23 qui ressemble à des cartes de triple triade. Et 2 étoiles sur 30, hein, ça comme ça, c'est noté. Vous avez les stats complètes de cette partie. Si vous voulez essayer de la reproduire chez vous. Maman, moi aussi j'ai envie d'être un sac qui fait du streaming. Et bien comme ça, vous pourrez exactement faire comme votre idole. Ça me fait plaisir, c'est gratuit, c'est la maison qui régale. Donc. Alors. On va essayer de pas mourir une troisième fois. Et j'ai eu un sursaut de 4 mètres. Quand le truc s'est déclenché, je me suis dit, c'est pas possible, pas encore. On a débloqué la carte du monde. Swag, swag on you chilling by the fire while waiting fondue, quoi. Légende Justin Bieber style, mec! Alors, bataille tour par tour, nouveau style de combat, ouh! Final Fantasia! Et du coup, on a débloqué les batailles aléatoires aussi. D'accord, je vois quand même que là, on est vraiment en pur mode référentiel. Par contre, on n'a pas... Ah oui, du coup, l'inventaire a pris toute autre tournure. Regardez-moi ça. On est dans autre chose, totalement. Alors... voyons si vous pouvez nous balader les attaques. Non, mais on va se prendre un... Ah ouais, non mais là c'est totalement... Ok, c'est totalement un chocobo là. On est d'accord, on est en train de se taper un putain de chocobo.
C'est un festival de référence EMUC, c'est ça, oui. C'est cela, oui, pas à moi. Attendez, je vais prendre un tout petit coup de boisson. Le temps de... nettoyer les effluves de cortisone qui occupent encore ma gorge. Mode 7 débloqué. Ouh! Sympa. Là, ça commence à prendre de la tournure tout doucement. Ah oui, mais par contre, les ennemis aussi. Mais par contre, c'est marrant parce que oui, entre la première zone qu'on s'est tapée en mode Game Boy et maintenant, il y a déjà une sacrée évolution. Alors comme dit, autant la référence me fait effectivement puissamment marrer pour l'instant. Autant j'attends quand même de voir s'il y a un jeu derrière. Non des lieux, presque aussi bien que Google Maps, d'accord. Ah, ces chevaliers là, c'est quand même jusqu'ici le monstre le plus chiant du jeu et de loin. Ah. Pas de sauvegarde. On va tout de suite passer là-dedans. Et alors mon bon Ashton, toi qui as fait le jeu, si j'ai bien compris, si mon historique Steam en dit vrai, qu'est-ce que tu en as pensé pour ta part? Parce que je ne sais point si tu en avais parlé du coup déjà dans notre chère émission nationale dominicale du Oh Jésus-Christ! Pourquoi ils ont tous des musiques aussi ennuyantes? Nous venons d'évoluer graphiquement de plusieurs étapes. Et des PNJ sont arrivés qui font 4 mètres. Ils ne parlent pas aux enfants. Bah oui! C'est pour ça qu'ils font 4 mètres. Donc l'ami Ashton, qu'est-ce que tu avais pensé de ce évoluant, toi, de ton côté? Bah jouer avec les autres enfants, oui d'accord, oui j'ai compris le principe, oui. Alors que Matt and Jack White a rejoint le canal. Et on salue notre ami Matt and Jack White s'il nous écoute. S'il a joué de manger sans musique de... Descendre dans le puits, ça paraît très sombre. Descendons dans le puits. Oui, je sais que je t'avais demandé en off pendant le podcast, mais là je te demande publiquement, c'est ça le principe. Personnellement, j'aurais le sentiment qu'ils auraient dû faire des zones rétro, enfin les étapes plus grandes, ça va un peu vite. Je suis assez d'accord. Ça aurait été marrant. Une étrange graine, voulez-vous la manger? Je sens que ça va me faire devenir adulte, je sais pas pourquoi. Ouais, ah, ils ne perdent pas de temps. Hein. C'est effectivement comme tu dis, mon ami Howard. Audar. Audar, c'est ça ce que je disais mal. Ok. Donc, tu vois, plus les gens restent sur ce stream, mieux je prononce leur pseudo, c'est ça le principe. Donc, Audar, voilà, on va déjà faire ça. C'est que, eh ben, comme tu le fais très bien remarquer, les étapes vont extrêmement vite. Et c'est dommage parce qu'il y aurait certaines étapes dans lesquelles on aimerait rester plus longtemps, on aurait dû se taper un ou deux niveaux, histoire de développer un peu le machin. Trop de coffre d'évolution trop vite, assez rigolo, dans ses références, mais ça manque d'un vrai jeu, et eh ben écoute. Ça confirme certaines des critiques que j'en ai lues. Très référentiel, mais malheureusement ça ne va pas plus loin. On entend des sons étranges qui viennent des cavernes au nord. On essaye d'aller vers le nord. Le fantôme de Kefka y habite. Mais personne n'y est jamais revenu. Comment on peut passer? Pour un meilleur équipement. Ah ah! Est-ce qu'il y a un shop quelque part? La première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que j'ai récupéré de la thune à un moment? Parce que si c'est le cas, je n'ai pas remarqué. Ah, bienvenue au village de Papunica. Passez un bon séjour. Ok. Ah, mioche! Moi j'avais une graine de croissant, je ne serais plus un enfant, mais la seule graine que j'ai trouvée est tombée dans le puits. Ah ah, c'était donc ça! Il fallait que je lui parle à lui pour deviner tout seul qu'il fallait aller dans le puits sombre, qui était le seul endroit où on pouvait aller. Mais sans plainte, c'est pas ça. Un coffre. Maison ouverte. Ah! Voilà! J'aurais dû chercher ça d'abord. Excusez-moi. Instant éternuement de nouveau. Vivement la semaine prochaine, on pourra se passer de ces pauses-là. Sauver le monde avec les héros de cristal. Parachute Sakaguchi, pas besoin de ça, d'accord. Les héros de cristal, c'est marrant, ça me dit quelque chose. Mind Combat. Ça n'a pas l'air très drôle, d'accord, oui, ok.
je vois le genre d'humour, mais bon, ça va quand même loin. Oh, un coffre. Monsieur. Aubergiste, vous pourrez vous reposer ici. C'est cool. Du coup, il y a quelqu'un qui a popé au comptoir. Bonjour. 10 gils. Ah, j'ai 200 gils. Bah non, je ne vais pas les utiliser dans le chez l'aubergiste. Alors, j'ai touché à RPG Maker il y a quelques mois, nous dit Audar. Et il est vraiment prise de tête, j'ai vu qu'il était sorti sur Steam, donc peut-être qu'ils ont amélioré le concept. Je sais pas s'ils ont amélioré le concept, apparemment ça a l'air toujours extrêmement profond. Cuisinier un des mucs par KFC, d'accord. Bon, salut notre ami Chouche, hein, s'il nous écoute. All your chests are belong to us, d'accord, bonne traduction, oui tu m'étonnes. On va tout de suite aller chercher le coffre pour savoir où on est. Vendeur. Alors, tu vends quoi, mon ami? Une épée longue, oui. Une armure de cuivre, oui. Une queue de phénix, oui. Carte rare, malheureusement, on n'aura pas la thune. Le problème étant que l'épée longue et l'armure de cuivre, ce qui nous intéresse, ça ferait 250 gil et qu'on en a que 150. Donc, on va déjà choper l'armure. On va voir si on est équipé directement, d'ailleurs. Vérifier juste si mes touches servent à quelque chose. Oui, apparemment on est équipé directement. Bon. Eh bien, voilà, ça dépend des versions. Certaines sont mieux, d'autres moins. Les plus récentes ne sont pas nécessairement les meilleures. Ah, d'accord. Merci pour ces précisions, Ashton. Maintenant, les mecs qui se cassent le cul pour faire des trucs comme ça, j'ai toujours un respect et une admiration sans faille pour eux. Parce que, eh ben, faut quand même se lever sacrément tôt pour arriver à programmer des machins. De qualité des machins larges sur des trucs pareils. Des monstres puissants sur la route, mais il faudra un meilleur équipement. Mais comment tu veux que je le chope, le meilleur équipement? J'ai plus une thune. Bon, passons dans les autres maisons. Carte Thor pour jeu de Double Twin. D'accord. The medium is the message. D'accord. Le guide ultime de tout par Shigo, par Miyamoto. Quel génie. Hommage, hommage quand tu nous tiens. On a trouvé des potions. Non, ça, on en trouve plein. On peut peut-être vendre les potions aussi. On a peut-être des trucs à vendre, si ça se trouve. Voyons, voyons, voyons. Caverne de cristal. Ça, on lui a parlé tout à l'heure, à propos de ces fameuses cavernes de cristal. Porte est fermée. Bon, on va regarder si on n'a pas des machins à vendre. Permettrait peut-être de choper la bonne épée, du coup. Alors, vendre. Potion. Ah bah ouais, on a un stock, oui. On peut encore en vendre. Oui. Bon, du coup, on a vendu toutes nos potions. On va prendre des risques. Mais, du coup, maintenant, on a l'épée longue. Il n'y a pas une casteuse sur Idel qui faisait un RPG. Est-ce que Led faisait un RPG sur RPG Maker? Je suis étonné. Je ne le savais pas, et bien écoutez, félicitations à elle. Bisous à Squelette, hein. Je me demande ce qu'elle devient d'ailleurs, elle et sa copine. Le genre de personne dont elle n'a plus du tout de nouvelles. Combat forcé. Oh mon dieu! Les taupes! Ce sont des taupes maléfiques et démoniaques! Alors que nous avons quelqu'un à terre à côté de nous! RPG avec des hommes musclés, des combis de cuir et des slips qui s'arrachent uniquement avec les dents. Data Reaper et Zippo, vous faites extrêmement peur. Merci de me recevoir. Oh, on a une copine! J'ai le pouvoir de cristal de la caserne. Sauvez mon village, pourrais-tu m'aider? Mais oui! En fait, mon nom est. Oui. C'est bon, ça va. Ce que j'ai adoré, c'est faux choix, le scénario semble un peu linéaire. Sans déconner. Alors, sondage sur le chat. Est-ce que vous, dans les RPG, vous êtes du genre à laisser les noms par défaut ou vous êtes toujours du genre à essayer de mettre un nom particulier? Parce que moi, j'ai tendance à laisser systématiquement les noms par défaut parce que je trouve que faire que tes persos portent ton nom, le nom de tes ex, etc., je trouve que ça dénature un petit peu l'expérience. Mais je sais qu'il y a aussi des aficionados de la personnalisation à la con. Donc, sondage. Hein. Alors, voyons. Kefkae qui dit je ne change jamais les noms. Numbra Umbrella qui dit idem. Zippo qui dit moi j'aime m'appeler les persos Beat, naturellement.
défaut sauf la magicienne, d'accord, et same pour Iug. Data Reaper qui dit au début j'ai changé, mais je change, mais ensuite ça me fatigue, d'accord. Donc voilà, Data Reaper entre autres, hein, qui, je le rappelle, est encore en train à l'heure actuelle, je crois, de se taper... comment ça s'appelle, Ni no Kuni. Et dans lequel il a eu la gentillesse d'ailleurs d'appeler un des tout premiers persos par mon nom. Et ce qui fait que c'est sans doute le plus doué que j'ai jamais été dans un jeu vidéo, hein, la partie de Ni no Kuni de Data Reaper. D'habitude je change pas sauf dans les jeux à faible narration. Ashton, des noms, donne-nous des noms de jeux RPG à faible narration. Ils t'ont assez fait chier pour que tu changes les noms, on t'écoute. Salut Tom la Pomme, eh bien Tom la Pomme, hein, qui comme d'habitude arrive toujours vers la fin du stream. comment allez-vous le chat et comment allez-vous mon cher Alten? Eh bien encore un petit peu grippe masse, mais ça ne nous a pas empêché de passer une très bonne soirée jusqu'ici. Et soirée qui va connaître son point d'orgue d'ici maintenant une petite demi-heure, puisque eh bien vous allez pouvoir gagner le jeu Prêcheur, le jeu dont je vous ai parlé, dont le dernier Data Reaper le podcast. Et pour ça, eh bien, il va falloir être rapide. Il va falloir être rapide. Il va falloir être malin. Ah bah, roguelite pour commencer. D'accord. Roguelite un peu comme Legend of Grimrock, qui est sur la route. Mais donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le jeu Prêcheur sera gagné. Ce sera donc en toute fin de stream, donc vers minuit et des poussières. Scénario. Nous devons toucher, retrouver les cristals, son pouvoir peut changer notre perception du monde. Et avec lui, nous pouvons combattre le mal qui menace mon village. En fait, j'ai oublié de te demander ton nom. Non, ça c'est pathétique par contre. Non, il faudrait un truc original, un truc qui a jamais été vu avant. Ouais, ça c'est classe. Ça sonne japano-américain, c'est classe. Donc, voyons. Nous sommes dans les cavernes de cristal. Il faut qu'on trouve le cristal. Allons-y. Coffre ! Monstre des cavernes. Ah. Si pour la prochaine vulgarité de ce genre-là, tu es banni. Oh, on a une magie qui s'est débloquée. Oh ouais, c'est la magie de soin, quoi. C'est sympa, ça. Alors, attaque. Est-ce que moi, j'ai de la magie aussi, en fait? Non, j'ai un spécial, par contre. Ça peut être pratique. Ok. Ah, et attends. Audar, ça sonne business card international, tout ça. Ça, je sais pas ce qu'il te faut, hein. Des carrés. Ah, maintenant que tu le dis, KFK, c'est vrai que j'avais même pas compris le jeu de mots sur le nom de la fille, mais ouais, ouais, ouais. Surtout vu les fringues et tout, maintenant, oui. Maintenant que tu le dis, ça me paraît relativement évident, en fait. On a trouvé une potion, je sens que ça va être utile. Avec mon style de jeu très personnel, à base de loose. Cobra 0, d'accord. Bon, et ben, 0 pour le coup, d'accord. Potion... Alors par contre, je peux pas prendre les objets pendant que je suis dans les menus, ça c'est un peu bâtard. Alors j'en profite aussi pour une petite note qui n'a strictement rien à voir avec le contenu de ce stream, mais que j'avais envie de vous donner tout de même. Pour les gens sur le chat, s'il y en a parmi vous qui suivent le catch, car pour ceux qui se souviennent de moi à l'époque merci Yug, c'est un très bon conseil ça. D'ailleurs auquel j'aurais dû penser, merci de me le donner en tout cas, le ferai sans doute au prochain tour, c'est vachement plus intéressant que de gâcher mes potions. Donc pour les gens par contre qui suivent le catch, vous êtes peut-être au courant que ce week-end c'était WrestleMania, vous étiez peut-être au courant que c'était de la merde, donc je vous déconseille d'aller ne serait-ce que perdre le temps à chercher le replay du WrestleMania, parce qu'à part le match entre un Undertaker certes fatigué,
mais toujours excellent, CM Punk qui était pas au top ni de sa forme ni de son envie, il n'y avait pas grand chose à sauver de ce WrestleMania en général. Le match Triple H Brock Lesnar était à peu près intéressant, le match entre John Cena et The Rock était à chier. Donc il n'y a pas grand chose à sauver. Par contre, hier soir, il y avait un Raw qui donc a été enregistré à la suite de WrestleMania. Et si vous pouvez le trouver en VO sur n'importe quel site de téléchargement, je vous le conseille. Parce que c'était probablement, aussi bien au niveau de la qualité des matchs qui ont eu lieu, mais surtout la qualité d'un public qui était on fire comme je l'ai jamais vu, l'un des meilleurs moments de catch que j'ai vu depuis 2 ou 3 ans. C'était extraordinaire. Donc si vous aimez le catch ou si vous voulez, si vous y intéressez ne serait-ce que de manière casuelle, n'hésitez pas à aller charger ce Monday Night Raw de hier soir qui était vraiment vraiment génial. Sur naturellement n'importe quel site de téléchargement illégal. Vu que c'est des choses qui sortent, qui n'arrivent en France que de la manière la plus massacrée qui soit, il n'y a aucune honte à pouvoir se les télécharger illégalement, n'est-ce pas? Voilà. Il n'y a pas de poids de magie, tu peux spammer le son autant que tu veux. Ah bah en plus, ah ouais, c'est ce qu'on te gâchait ses potions à ce degré-là. Oh ouais, on débloque les points d'XP! Mais oui! Des points! Des points, des points, des points! J'aime les points! J'ai toujours aimé les points! Je suis une pute à points! Vous avez gagné 120 giles et 4 points d'XP! Ouais! Ça, c'est la vie, ça. Fontaine de vie. Curieusement, ça soigne les blessures. Je croyais qu'il y avait un coffre qui était planqué quelque part. Mais regardez, c'est moi qui me fais des idées, mais il me semblait qu'il y avait un coffre planqué quelque part là-bas. Du coup, je spam la magie de soin comme un motherfucker. Histoire de... Je me rappelle pas, tu as vu les cachets, je me rappelle les deux qui en faisaient tout le temps, mais j'ai dû louper les tiens. Et ben en fait, c'est vrai que, comme c'est pas forcément un truc que je gueulais sur les toits, je n'en faisais pas souvent, mais j'essayais toujours, le plus souvent possible quand j'étais en état, de m'incruster sur les commentaires de pay-per-view. Voilà, je n'en faisais pas souvent. Alors ce jeu, mon bon Vesperia One, puisque j'ai oublié de le mettre à jour sur Twitch, c'est vrai, c'est Evoland, donc c'est un jeu dont vous avez peut-être entendu parler cette semaine, vu qu'il a été testé sur Millennium, sur GameStat Story, sur Factor News, et bien d'autres. Et donc c'est un hommage vibrant à tous les RPG de l'époque, 16 bits, 8 bits, 32 bits, Game Boy, etc., ainsi de suite. On commence donc en mode Game Boy avec la possibilité d'aller à droite, à gauche, et puis ensuite, petit à petit, on débloque des modes et des bonus et des trucs et des machins, et donc c'est vraiment un hommage scénaristique à toute cette période-là. Mais comme on a pu le voir jusqu'ici, eh bien on a déploré le fait que le jeu soit très rapide au niveau de son évolution et qu'il ne nous laisse pas traîner un peu plus dans les différentes zones et dans les différentes... période un petit peu, alors attends, je vais juste un petit truc, voilà, dans les différentes périodes, c'est un peu dommage. Alors en fait, je le faisais surtout sur eLive, sur Show Prime j'en ai un peu moins fait, mais j'avais fait entre autres le dernier WrestleMania, j'avais fait 2-3 pay-per-view, j'avais fait le commentaire du millième Raw, j'avais fait quelques trucs de ce genre là. Et le truc, c'est que sur eLive, il y avait Mister Yo-Yo qui le commentait, il le faisait très bien. Donc j'avais pas non plus envie de venir lui piquer du marché, quoi. Bonne nuit, R. Cocotier. Un fidèle parmi les fidèles, lui aussi, et je te remercie d'être là aussi souvent quand je te casse. Ça fait plaisir de voir des têtes qu'on voit souvent, et bien repose-toi bien. Bisous de la Martinique, hein, comme dirait la vie barrée des jambes. Donc, allez, un petit coup de soin, ça fait longtemps, voilà. Allez, là je crois qu'on a ouvert le mécanisme pour en haut. Voilà, les pierres sont dans le sol. Ah par contre, hein, alors attention, je déteste les combats aléatoires dans les RPG. Alors là encore, là je pense que c'est un long débat qu'on pourrait lancer sur le chat, parce que je pense que chacun doit avoir son avis. Mais, niveau 4, avec la vie qui augmente chez tout le monde, c'est cool.
Mais je supporte tellement pas les RPG avec des combats aléatoires. Ça me donne envie de me suicider. Bizadata. Oh, il y a des favoris. Merci en tout cas pour le commentaire, Cocuti, ça fait vraiment plaisir. Il garde le cristal depuis des siècles, on dirait qu'il a été corrompu par un pouvoir maléfique. Probablement le même qui a attaqué mon village. Nous avons besoin du cristal, Fergal. Bah, avec joie. Bon. Par défaut, soin, quoi. Parce que c'est un boss, hein, on se méfie. Boss animé. Il a l'air beaucoup plus méchant comme ça. Ah oui, oui, je confirme. Oui, enfin bon, là, ça ressemble à une grosse boule noire avec un crâne dessus et trois plumes. Hein, donc... Contre fantôme. Ça fait mal. Oui, je cite Christophe Maé. Oui. Alors, toi, tu attaques. Et toi, tu soignes, en fait. On va faire soin. Hein. Voilà. Faut croire, hein. Non, je dis, toi, tu soignes sa coche. Ah, vache, Final Fantasy XIII, c'est tellement bien. Bah, en même temps, il a du mal à lire le nom, je pense, parce qu'il manque une lettre. Hein. Mais donc, oui, c'est sans tête à KFK, oui. Enfin, Kefka, pardon. D'accord. Le combat n'est pas long, il n'est pas relou, tout va bien. Le cristal a été activé! Pouvoir du cristal! Sailor Venus! Excusez-moi, j'ai des vieux fantasmes qui remontent. Ah ah! Yes! Combattre le mal qui combat notre village. Nous devons traverser les mines de la Noria. Olé ! Pour l'atteindre. D'accord. Merci de ton aide. Tu es mon héros. Bisous, bisous ! C'est très Wind Wakerien, ça, comme, comme design. J'aime le concept. Alors, 3D, oui. Ah ! Avec la musique qui va avec. Mais là on est dans... On est dans la 3D extrêmement... Ah! Ça, je sais pas si c'est normal, ça. Je m'en voudrais d'être oiseau de mauvais augure, mais ça ressemble à un vrai bug, ça. Ah non, ok. D'accord. Bien, voilà, hein. Ouf. Mauvais... alors oui, donc ça, voilà, ça, pour info, ça n'était pas prévu, hein. Ça n'était pas une vanne, c'est vraiment le jeu qui nous a fait un petit bug bien inquiétant. Et bien dégueulasse. En tout cas, bonne nuit à l'ami Tom la Pomme et ben, bonsoir à Marcellus qui vient de nous rejoindre. Martellus, bref. Carte de Zumba, d'accord. Double Twin, c'est... ça me rappelle quoi, ça? Ils font pas des jeux flash, ces gens-là, à la base? Ah, mais c'est la 3D, c'est de la 3D... mon avis, c'est de la 3D qui se veut simpliste, mon Zico. Avoir le look de ce qu'ils ont fait jusqu'ici, c'est de la 3D période N64, et ça vise clairement ce style-là. Mais oui, ça nous rappelle pas les meilleurs souvenirs et les meilleurs moments de l'histoire du jeu vidéo. C'est pour ça, et ça, on en a parlé, on l'a théorisé assez régulièrement, que les jeux 3D eh bien, vieillissent vachement plus mal que les jeux 2D. Et si des jeux comme Symphony of the Night, par exemple, comme on en parlait tout à l'heure, s'en tient encore fort bien à ce petit jeu, eh bien des jeux comme, je sais pas moi, mais la majorité en tout cas des jeux PS1 sont à l'heure actuelle, eh bien, vachement moins jouables et vachement moins intéressants. Ils ont tendance à morfler leur race. Et par exemple, là, nous venons de libérer des bonnes textures Twin Motion. Et j'en flash, merci qu'il a mort de me corriger. Ben, à ce que j'ai vu, mon bon Vesperia One, les graphismes, en tout cas, sur la fin, deviennent vraiment très corrects. Il n'y a pas de quoi appeler maman à la maison, mais on tombe sur des trucs très jolis.
Bon, remarquez là que là, on a un peu plus de temps entre les évolutions. On a quand même eu tout un donjon là entre l'évolution mode 7 et maintenant. Donc, visiblement, si vous calmez un peu le tempo, c'est peut-être pas un mal. Et remarquez que c'est peut-être aussi une. Comment dire, une allégorie au niveau du jeu pour montrer à quel point les RPG ont évolué extrêmement rapidement à une période avant de se calmer. Hein. Je sais pas, j'essaye de chercher des excuses aux développeurs. Oui, j'en suis là. Je dois dire que pour l'instant, je me marre assez bien avec ce petit Evoland. Il n'y a pas de casser trois pattes à un canard, mais moi, l'humour référentiel, eh ben, j'ai toujours tendance à me faire marrer. Et eh bien, c'est le cas. Pour l'instant, je l'ai. Est-ce que je ne suis pas en train de revenir en arrière? Détrompez-moi. Si, il me semble bien. Alors, on va relever le micro et on va avoir la petite pause tout sage, hein, par contre. Voilà. Là, je commence à cracher du sang. Personne ne panique. Les sapins d'Animal Crossing, c'est vrai qu'il y a un air de famille. Bon, alors, là par contre, je suis nouveau en mode coincé. Alors, oui, c'est un jeu indé, Vesperia One. C'est totalement un jeu indépendant, réalisé par trois mecs dans leur garage. Ah voilà, c'est par là. Oui, c'est totalement par là. Alors, panneau. Le passage est bloqué par la pierre dimensionnelle. Essayez le chemin vers l'est. Oui, je fais très bien la voix du panneau, hein. Merci de me le faire remarquer sur le chat. On a l'impression que regarder le jeu ou le jouer revient au même. Eh bien, c'est pas faux, mon bon Zippo. Je suis probablement en train de faire perdre des dizaines de ventes à ce jeu. Et en même temps, je m'en fous. Vu que, de toute façon, hein, et le pirater ou se le taper, c'est pareil. D'ailleurs, je vous propose un truc, c'est que quoi qu'il arrive, eh bien, comme je sais que le jeu fait 3-4 heures de durée de vie, ben, je le remettrai sur la roue du random et puis on se le terminera ensemble, comme ça, vous n'aurez pas à l'acheter et vous pourrez le découvrir entièrement. Et là, vous allez me dire, Aelten, tu es un bel enculé, et je vous dirai, eh oui. Eh oui. N'est-ce pas? Voilà, non, c'est tout ce que j'avais à vous dire, en fait. Donc... Il manque plus qu'à Monsieur Rizetti pour te sauter à la gueule. Oh putain. Rien que pour Monsieur Rizetti, j'ai hâte d'avoir l'épisode 3DS en main. J'ai vraiment hâte d'avoir l'épisode 3DS en main. Parce que Monsieur Rizetti, c'est quand même le culte, quoi. Le premier cast que j'ai fait de ma vie, perdu à jamais dans les limbes de la fermeture de Shoprime, ce n'est pas le chemin des mines de la Moria Sillon plus au sud. Je me balade où je veux, c'est pas toi qui vas me donner des ordres, balance ça. Le tout premier cast que j'avais fait sur Aelten, sur... excusez-moi parce que je dis le chat en même temps. Sur eLive, Aelten aime la stimulation prostatique. Oui, j'ai rien contre. Le premier cast que j'avais fait sur eLive était un cast sur Animal Crossing. Où, à l'aide de ma chère sœurette, nous présentions toute la saga. Aussi bien sous un point de vue très académique, que sous un point de vue philosophique, foutage de gueule, etc. Et on s'était extrêmement marré à faire ça, et malheureusement c'était paumé dans les limbes. Mais disons tout bêtement que sans Animal Crossing, eh bien je ne serais pas là avec vous à l'heure actuelle. Et ça fait quand même bizarre de dire une chose pareille. Donc maintenant on a gagné en tout cas le pouvoir de zoom à chaque fois qu'on ouvre un coffre. Apparemment on a gagné des petits effets graphiques quand on pète les ennemis aussi, mais c'est juste moi qui viens de les remarquer. Je peux passer là. Non, on descend. Donc, ce qui serait plus marrant par contre, c'est que les ennemis posent le moindre problème à un moment, parce que là ils sont totalement anecdotiques. Et c'est vrai que c'est un peu chiant du coup. Ah, un coffre, que gagne-t-on? Une étoile à la con, ok. Maintenant, hein, qui s'est jamais mis des petits doigts dans le cul, hein? On la connaît, hein. D'ailleurs, salut à la Mythos TV s'il nous regarde. Ah, texture HD qui vient d'être débloquée. Ah oui, on fait un pas en avant là, effectivement. Juste au sud, nous pouvons les rejoindre en traversant mon village. J'espère que tout le monde va bien. Dépêchons-nous. Oui, du coup, on va d'abord aller un peu au nord et découvrir ce qui se passe. Alors là, il y a un coffre. Ouvrons le coffre. Ah, étoile à la con, d'accord. D'ailleurs, les musiques sont un peu lassantes au bout d'un moment aussi, on va pas se dire les cheveux. Ouais, mais Cisnerbel, c'est toi qui fais exprès de traîner. Vos gueules.
Bon allez, on va jouer encore 5-10 minutes et puis après, ça va être le moment que vous puissiez jouer dans un premier temps et que vous puissiez jouer à Pressure, l'excellent jeu que je vous ai conseillé, comme dit dans Data Reaper, le podcast récemment. Alors que vous débloquez la world map en 3D intégrale, et c'est vrai que tout de suite ça a une autre gueule. Alors, est-ce que ça va être le début des énigmes? Parce que pour un bon RPG, il faut des énigmes à la con aussi. Mine ouverte. D'accord, c'est un coffre qui permet d'ouvrir la mine. D'accord, souhaite. Donc. Gris, ok. Où est ma chemise grise? De la flotte et un coffre, une chauve-souris à la con, coffre. On va voir le coffre. Pot à sable. Oui! Ça, j'aime! Ça, je suis client, les pots à sable. Que serait un Zelda-like si les pots n'étaient pas cassables, je vous le demande. Ah, des énigmes à la con, tout est dit, plus besoin de faire le jeu. Plaque à pression, ah bah voilà, il suffisait de demander. Donc. Et comme on est tout seul, ouais, elle s'active une par une. Pas de problème. Mais c'est vraiment le jeu où en développant le truc. Développant le truc beaucoup plus et en mettant un mode multijoueur, etc., il y aurait vraiment eu de quoi se marrer, je pense. Mage parfait pour sécher vos vêtements. Ah ! D'accord, j'ai demandé du challenge, visiblement, je vais en avoir. D'accord. Il y a une vitesse de pop et de dépop, ce mec, c'est assez dégueulasse. D'accord. Ah ! Ça, il nous faudrait des bombes pour pouvoir l'ouvrir, celui-là. Il me faudra une clé, mais j'en ai pas. Alors. Pièce piégée. Oh, fichtre, morte couille. Bon, c'est bon, des chauves-souris à la con, ça on va s'en débarrasser. Donc, disais-je, dans. Voilà, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, ben, vous allez pouvoir gagner le jeu Pressure. Donc, vous allez. Rabâcher le crâne ces dernières semaines. Et pour ça, il faudra répondre à une question très simple, mais il faudra y répondre rapidement. Et j'espère que nos chers amis qui étaient là au début du stream ont bien retenu l'indice que je leur ai donné tout à l'heure. Parce que ça va leur donner un avantage non négligeable pour bien gagner ce petit bonus. Okay, ça va leur donner une avance. D'accord, donc là aussi un mécanisme à activer. On voit quelque chose sous l'eau, il doit y avoir un autre mécanisme par ici, je sais pas, par là par exemple. Ah bah tiens, un mécanisme et un mage à la con. D'accord, en fait le squelette il me rappelle le. Un des Zelda sur DS où il y avait une espèce d'histoire de labyrinthe où il y avait des espèces de squelettes invincibles qui vous poursuivaient à chaque fois. Vous deviez en prendre possession. Et bah, du coup je dis ça et ça se. Ça part dans un labyrinthe. Quelle coïncidence. Lundi, c'était cuir et moustache. Et Data Reaper. Lazy Chicken qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Oui, bah j'en suis là. Après tout, il est après minuit, donc est-ce que c'est bonjour? Est-ce que c'est bonsoir? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Celle-là, elle est pour Takamura. L'esprit du rock'n'roll. Toujours du rock'n'roll sur ce stream, c'est important. Une clé! Je prends la clé. Ce serait bien que j'en ai 7. Comme ça, je pourrais ouvrir le coffre à Meyer. Donc. Encore des étoiles à la con. Bon, je suppose que nous allons essayer de boucler ce donjon. Et une fois que ce sera fait, eh bien, ce sera, comme dit, à vous de jouer. Si le donjon n'est pas trop long, et sinon, comme dit, on va essayer simplement de trouver un point de sauvegarde. Et ce sera déjà pas mal. Est-ce que j'ai la clé pour ouvrir ça? Oui, j'ai la clé pour ouvrir ça. Et bien, on progresse assez vite, en tout cas pour l'instant c'est déjà pas mal. Les squelettes partout, c'est le festival du squelette. Et le Saint-Maclou du squelette. Alors, bloc mobile. Bon bah ça. Comment on le pousse? Voilà. Pas les buter ces putains de squelettes. Ah ouais, je veux jouer legit, toi. Hein. Je veux jouer legit, mes enfants.
bruit ennuyeux. Ah! Ils ont même intégré ça, ces enculés. Donc... J'aurais pas dû faire ça, je sens. Je sens que j'aurais pas dû faire ça. Il y a peut-être un moyen de tirer aussi, ou c'est quoi là? Non, il y a juste moyen de pousser en arrière. Taper dans le dos. Ah, mais le truc, c'est que je suis pas arrivé à... D'accord. Ok. Bon, et en plus, comme on n'a pas fait de point de sauvegarde depuis février 87, je sens que ça me met en rage. Est-ce qu'on est revenu au début du donjon, sérieusement? Bon, bah on va arrêter là. Alors, les mecs, on va arrêter là. Donc, je vais vous repasser sur la page d'attente. Je vais quitter le jeu proprement. Histoire de vous faire poireauter encore 2 secondes. Voilà. Et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Alors, vous mettez les doigts sur votre clavier. Moi, je vais moucher. Et dans quelques secondes à peine, je vais lancer la musique de la roue du random, donc qui est le chest theme de Rayman Origins, si vous ne le connaissez pas. Cette musique fait très précisément 58 secondes, donc c'est le temps que vous aurez, chrono, pour donner la réponse à la question. Le principe est très simple. Celui qui sera le premier à donner la bonne réponse ou qui, dans les 58 secondes, sera eh bien, celui qui s'en approchera le plus près, gagnera eh bien, ce jeu prêcheur. Naturellement, l'astuce, c'est que je vais vous donner la question pendant ces 58 secondes aussi. Ça serait très simple. Ceux qui étaient là en début de stream, comme dit, ont eu un petit indice. Les autres, eh bien, vous allez vous démerder. Et le gagnant, donc, eh bien, ce sera à lui de m'envoyer son pseudo Steam par MP. Et en retour, eh bien, il recevra le plus rapidement possible ce petit jeu prêcheur. Donc, à la condition, s'il veut bien, eh bien, qu'on se tape une petite partie ensemble. Quand il veut, et tout le monde est qualifié, vu que c'est une question à laquelle personne sauf moi ne peut avoir la réponse. Et ça va être le principe, c'est quand je vous ferai gagner des trucs, ce seront des questions qui se joueront plus au pifomètre qu'autre chose. Ça ne sera pas à la connaissance ou au fait que vous avez suivi, ça sera au pifomètre. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je vais lancer la musique et vous poser la question en même temps. Alors attention, musique. Je veux le nombre exact de éléments qu'il y a dans ma liste Steam. Et par éléments, je veux dire les jeux, les bêta, les jeux qu'on m'a offert, les free-to-play, tout ce qu'il y a dans ma liste Steam, le nombre précis d'éléments dans ma liste Steam. Ça compte les raccourcis qu'il y a pour certains de mes jeux. Ça compte, alors, 185, Numbra, Daisy Pose, 157, 74, 325, 130, 80, 187, oui, attendez, hop là, hop là. Il vous reste encore 22 secondes. On se bouge. Alors, 12, 11, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, 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 stop. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Alors, c'est fini. Alors maintenant, je vais prendre le log du chat et va commencer une partie un petit peu chiante pour moi, vu qu'il va falloir que je fasse le tri. Donc, alors, il va falloir que je fasse le tri. Alors on va déjà éliminer d'entrée tout ce qui est au-dessus ou en dessous. Je vais pas encore donner le vrai chiffre, hein, naturellement, hein, parce que... Si après, je me plante quand je fais ma sélection, ça me retombe dessus. Donc on a déjà éliminé tout ce qui est dans des proportions surnaturelles par rapport aux chiffres. Donc pour l'instant, on en a un qui était très près d'entrer. Umbrella. On va regarder. Alors du coup, ça c'est non, tout ça c'est HS. Ça c'est Awaxo qui du coup s'est rapproché tout près lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? 223, c'est pas loin ça, 223. Non, ça c'est trop, c'est trop, c'est trop, 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 pas assez, trop, pas assez, trop, pas assez, pas assez, trop, pas assez, trop, trop, pas assez. Ah, il va falloir que je joue ça à la moyenne en fait. Hein. Alors, on va vérifier très précisément. Donc, ça va se jouer entre Awaxo et XOXX. Alors, je vais prendre, comme dit, juste la calculette, histoire d'être sûr, hein, parce que je m'en voudrais
de donner le prix à la personne qui n'a pas été juste. Hein. Mais est-ce que vous êtes tous les deux là, AOXO et XOXOXX? Est-ce que vous pouvez faire du bruit, que je vous entende? Parce que je l'avais donné l'indice en début de chat. J'avais dit que c'était entre 200 et 400. Il y a des gens qui n'ont pas écouté à ce moment-là. Mais ça n'était pas grave. Alors, je vais vérifier, mais ça va vraiment se jouer à peu de choses. Ça va se jouer à peu de choses entre vous deux. Mais je crois que mes talents en maths vont me trahir. Et que. Bon, ben, XOXX, j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon ami. Tu viens de gagner une copie de Prêcheur. Félicitations, puisque le bon nombre était 212 et qu'avec 223, eh bien, tu as été le plus proche. Alors, je vérifie encore une fois que je ne me suis pas planté. Mais je crois bien avoir fait le tri. Et oui, avec 212, eh bien, c'est toi qui étais le plus proche. Félicitations, mon ami. Eh bien, donc, tu connais la procédure. Un petit MP sur le chat de Twitch et tu donc recevras ce chat pour tu recevras donc ce jeu par Steam. Donc voilà, tu m'envoies simplement ton code Steam eh bien par MP et je t'enverrai ça dans ta boîte dans quelques minutes ou heures ou hein, selon quand je me repose. Bien! Sur ce, mesdames et messieurs, eh bien, je vous souhaite une bonne nuit. Et eh bien, je vous remercie d'avoir été très très nombreux avec nous ce soir, hein, puisqu'on a quand même fait une bonne moyenne à une trentaine de personnes pendant une partie de la soirée. Et ça me fait plaisir de ne pas faire ce stream dans l'indifférence générale. Ça ne me rappelle pas mes soirées collège, n'est-ce pas? Allez, on a eu quand même une bonne sélection de jeux divers et variés. On s'est bien marré. Vous avez été chaud sur le chat et ça m'a fait plaisir. On se retrouve mardi prochain, 21h pile, pour une autre roue du random et dans la semaine aux quatre coins de l'internet pour les conneries diverses et variées. Suivez-moi sur Twitter, les VOD sur YouTube, tout est en bas de l'écran. Merci à tous, à très rapidement. Ciao, ciao les jeunes!